un filet. Qu'un ennemi. Hey yo les petits potes, c'est Rookie, on se retrouve sur Valorant pour parler de l'agent Chamber. En fait, j'ai regardé avec des potes des tier lists, on s'est renseigné sur les agents forts, les agents méta. J'ai sorti une vidéo notamment sur Iso qui est très fort, j'adore Omen aussi. J'ai pas eu l'occasion de tester encore d'autres agents forts, mais par exemple j'aime bien Jett aussi. Et Chamber, en fait, j'avais vu deux de ses atouts qui me plaisaient énormément et je l'ai pris. Et du coup, il y a un pote qui m'a dit « Ouais, dans les tier lists, il est sacrément mal classé ». Et du coup, c'est vrai que ces autres atouts sont pas incroyables du tout. Mais les deux atouts qui me plaisaient, je vais vous les montrer. Ça peut correspondre au style de jeu de certaines personnes, puisque en réalité, l'agent, c'est surtout ça. C'est est-ce qu'il correspond à votre style de jeu. Et moi, j'avoue que j'appréciais ces atouts, mais c'est clair que c'est pas l'agent que je prendrais tout le temps. Pour répondre à la question, est-ce que c'est le pire agent du jeu? Je pense pas qu'il y ait vraiment de pire agent, puisque ça correspond vraiment au style de jeu des gens. En tout cas, clairement, c'est pas le plus fort, ça c'est sûr. Du coup, en ce qui concerne Chamber, on va un peu le présenter et ensuite je vous montrerai un gameplay où j'ai joué avec Chamber et où je me suis plutôt bien régalé. Donc Chamber, on va regarder les détails et notamment du coup le premier atout qui est guet-apens. Équipez-vous d'un piège qui détecte les ennemis. Tirez pour le poser sur le sol. Quand un ennemi visible est à portée, le piège déclenche un compte à rebours avant d'ébranler le terrain autour de lui, créant un champ persistant qui ralentit les joueurs qui s'y trouvent. Le piège peut être ramassé pour être redéployé. Donc en gros, moi c'est R3, hop, je pose ce petit bidule, et en fait s'il y a un joueur qui passe dans son champ d'action, et ben ça va m'alerter. Et du coup, les effets sur le joueur, c'est ça va ébranler le terrain autour de lui, créant un champ persistant qui garantit le joueur qui se trouve, donc ça la ralentira. Ça c'est un effet que je peux pas trop savoir, étant donné que ça ne l'applique pas sur moi. Mais voilà, c'est pas un atout franchement folichon. Mais ça peut servir quand même à défendre des zones quand on pose des spikes et ensuite on peut le rappeler. Le deuxième, c'est rendez-vous. Équipez-vous d'une balise de téléportation. Tirez pour la poser sur le sol. Quand vous vous trouvez sur le sol, apportez la balise, réactivez pour vous téléporter rapidement. La balise peut être ramassée pour être redéployée. Donc, c'est pas du tout comme Omen, c'est pas des téléportations à longue portée, c'est vraiment une téléportation à courte portée. Voilà, donc là on voit le cercle jaune et on le voit aussi sur la minimap. C'est si je suis dans ce cercle, en gros, je peux faire L1 et me téléporter là. Si je suis pas, par contre, je suis hors de portée. Voilà, donc ça peut servir si vous le mettez, j'en sais rien, derrière un obstacle, derrière un mur, et que vous êtes en train de perdre un fight, ou qu'il faut vous dépêcher de vous déplacer, vous pouvez vous téléporter. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est les deux derniers atouts. Chasseur de tête, activé pour vous équiper d'un gros calibre, utilisez le tir secondaire avec le pistolet équipé pour viser. Donc en fait, moi c'est R1, et en fait on s'équipe littéralement, en effet, d'un gros calibre. C'est un peu un shérif, mais en mode un peu plus stylé, je trouve. Et ça, franchement, ça m'a bien fait kiffer quand j'ai vu ça, et j'ai vraiment eu envie de le tester. Et ça, du coup, en fait, ça vous coûte, la balle vous coûte 100 jetons ou crédits dans la partie. Donc c'est 8 balles max, sachant que vous les récupérez entre chaque partie, par exemple si vous en reste 3, que vous mourriez ou pas, et ben ils vous les gardez. Et donc du coup ça peut vous faire économiser de l'argent, notamment au début de partie, pour ensuite acheter des plus grosses armes comme des vandales. Et enfin l'ultime, ça c'est celui que je kiffe le plus. Tour de force, activé pour matérialiser un puissant fusil de sniper personnalisé qui tue l'ennemi en un coup s'il est touché au corps. Autrement dit, ça one shot quelle que soit la localisation du tir, que ce soit du pied à la tête. Utilisez le tir secondaire pour viser, tuer un ennemi, créer un champ persistant qui garantit le joueur qui s'y trouve. Et donc là c'est R1, c'est l'ultime, et voilà le sniper, et franchement il est de toute beauté, avec du coup un double zoom. Et donc ça en fait, quel que soit l'endroit où vous touchez votre adversaire, ça va le one shot. Et ça pour ça franchement, c'est surtout pour ça que j'ai voulu prendre Chamber et tester. Bon voilà, les atouts, les deux premiers sont vraiment pas forts, le revolver... c'est pas non plus méta, par contre ce sniper, c'est un régal quand vous l'avez dans vos mains, je vous jure. Voilà, donc petit gameplay pour illustrer tout ça, régalez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Vous êtes fort, Allah l'alim. Jouez avec vos têtes. Prêt à téléporter. Thank you.
was at this moment he knew he messed up. Spike à terre au C. Ici. Spike à terre au C. Derrière toi, trouve pas le vent. Purée, mais t'es con, mais... Mais si, je le tue! Non, il est derrière toi! À terre au C. Temporisé. C'est entre toi et moi. Suivant. Les joueurs rookies, attention, il est là à droite. Plus qu'un ennemi. Ici. On dirait que je suis la plus forte. Arrête de faire le trou de balle, soigné frère. Turbulateur, toi aussi, arrête de courir dans tous les sens. Oh yeah, baby. Comme ça que c'est nanana, ouais, je suis vraiment trop fort les gars. Wallah, la ADM, c'est pas pour me tenter, mais wallah, c'est vrai. Temporisé. Prêt à téléporter. C'est bien, ok, voilà. Temporise la matrice. Temporise. Cache-toi là, ouais, cache-toi là. Dernier joueur en vie. Il est prêt. Heureusement, il est là. Qu'est-ce que t'as pas compris dans temporise? T'es vraiment soigné. Merci frère. Commence.
Posez le spike, vite, vite, posez le spike, vite. Spike, spike. Bien joué, Swami. Encore, il y en a un deuxième, oui, oui, yes. Yes. Bien joué, bien joué.